Imaginez-vous buvant votre café le matin, accompagné de votre journal, mais c'est là qu'on vous annonce... La Joconde a été volée! Salut les artistes, nous sommes le 22 août 1911. Le soleil est au beau fixe, les oiseaux chantent. Enfin, j'en sais rien, mais imaginons. Sauf que là, c'est la panique. La Joconde a été volée. Les gens crient dans les rues, ils hurlent à la mort. Mais comment allons-nous faire pour surmonter ce terrible événement? C'est la panique, c'est la panique. Elle est où? Elle est où? C'est la panique, c'est la panique. À l'époque, le lundi, le musée est réservé aux artistes qui viennent copier les tableaux. Et c'est à ce moment-là qu'on a remarqué le vol. Tous les artistes se regroupent au pied du mur blanc. Il ne reste plus que le clou. Le cadre est retrouvé quelques mètres plus loin dans l'escalier. Et une question sur toutes les lèvres. Mais qui a volé la Joconde? Mais qui a volé la Joconde? Mais qui a volé la Joconde? La police n'a aucune piste. Heureusement pour nous, le président des Amis du Louvre a une bonne idée. Il décide de racheter la Joconde au voleur au prix de 25 000 francs. Sauf qu'il est bien mignon le pépère, mais on les a pas les 25 000 francs. Et comme par la magie de Noël... Enfin non, parce que c'est pas du tout la période de Noël. Une souscription est ouverte et chaque Français va participer pour récolter la somme. Retrouvons notre Joconde! Participez à la quête pour la Joconde! Merci. Radin. La Joconde est en danger! Cette cohésion française, ça me met la larme à l'œil. On attend le voleur et rien, personne. Deux ans passent et on perd espoir. Excusez-moi, on cherche une dame avec les cheveux longs sur un paysage un peu glauque. Elle sourit pas. Bah tiens, un peu comme ça. Vous l'avez pas vu quelque part? Et un beau jour, un petit antiquaire florentin, il dit « Moi, je sais où aller la Joconde, mais je veux d'abord les 25 000 francs. » Sauf qu'il est bien mignon, mais on les a plus, les 25 000 francs. Rebelote, une deuxième souscription est ouverte. Retrouvons notre Joconde! Participez à la quête pour la Joconde! Merci. La Joconde est en danger! Participez à la quête pour la Joconde! Un an plus tard, la Joconde est enfin retrouvée. Et où ça? Bah chez son voleur, qui est arrêté. Et où il l'avait caché pendant deux ans? Dans une boîte, sous son lit. Ça valait le coup. Ils sont quand même balèzes, ces artistes.